On commence cette série de 5 gadgets pour étudiants avec un bijou connecté. Le Pub Scan. On se l'accorde, scanner un document c'est quand même bien relou. C'est des grosses machines que tu n'as pas forcément chez toi, bref. Il te faudrait plutôt un appareil sans fil, transportable et qui enverrait tes copies scannées directement par mail. Ouais, et ben ça existe, voici le Pub Scan. Ce gadget cadre automatiquement la page, compresse le fichier et l'envoie automatiquement par mail. Et voici Titan Note. C'est un enregistreur vocal, c'est-à-dire... Bon, cet objet, j'ai vraiment hésité à vous le présenter, tellement il est what the fuck. What? What the fuck? Voici le Pootrap. Un collecteur de merde de chien. Bref, on est parti pour la présentation. Ras-le-bol de devoir ramasser les déjections de ton plus fidèle compagnon? À tel point qu'un jour tu te demandes si tu pourrais pas accrocher directement un sac plastique sur l'arrière-train de ton chien? Eh ben l'entreprise qui a conçu le Pootrap y a pensé avant vous. Grâce à un harnais accroché au corps du chien, lui-même accroché à un sac plastique, vous n'aurez plus rien à faire. Dès lors qu'il aura une envie, hop, la matière fécale tombera directement dans le sac et vous aurez qu'à l'enlever pour le mettre à la poubelle. Chers amis, votre devanture ou votre superbe gazon ne seront plus jamais souillés. Vous avez peut-être vu sur mon onglet communauté, énorme nouvelle que j'ai envie de vous partager. La construction de mon studio commence dans une semaine. Si vous venez d'arriver sur la chaîne YouTube, je vous fais un bref récap. En gros, on est en train de tout péter chez moi pour faire le vrai studio de présentation d'objets, innovation et gadgets en face caméra. Car oui, les tops c'est cool, mais il est plus que temps de tester tous ces beaux produits en réel, face caméra comme je l'ai dit. J'espère que vous allez aimer ce changement de direction pour ma chaîne, car mine de rien, ça demande beaucoup de réflexion et de préparation. Du coup, si vous aimez, ben, le pari est gagné. Également, concernant ma dernière vidéo où je demandais quelqu'un qui touche un peu à Photoshop et After Effects, merci, j'ai trouvé. Vous êtes de grands fous, plus de 200 mails reçus à l'heure où j'écris ces lignes. Vous êtes une communauté extraordinaire, j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Allez, on se dépêche, 12 inventions géniales qui vont vous faire halluciner, c'est parti. Bon, c'est finalement fait. Depuis le temps que vous me le demandez, j'ai finalement créé des réseaux sociaux. J'y ai pas été de main morte, j'ai tout créé. Facebook, Twitter et Instagram. Maintenant que j'ai mis ça en place, je compte sur vous pour venir en masse me rejoindre dessus. Ce sera l'occasion notamment de voir en avant-première les avancées du studio, des making-of de vidéos ou encore d'autres choses que vous ne verrez pas forcément sur YouTube. Bref, tout est en description, ça serait vraiment cool que vous soyez autant actifs sur ces réseaux que sur ma chaîne. Pour l'heure, j'ai essayé une fois de plus de vous dénicher 12 inventions incroyables que vous devez connaître en 2018. L'incendie, en fait, ces camions vont débarquer avec un lance-missile. Et c'est dans ces derniers que se situe le produit qui va stopper net le feu. Incroyable! Vous avez compris? Ciel, alors le camion va venir se positionner devant, préparer la purée et BAF! Une petite roquette dans l'immeuble et le feu s'éteint. Ça a une portée de 300 mètres, autant vous dire que pas grand chose ne pourra l'arrêter. La machine est reliée à un PC qui va détecter les zones les plus chaudes pour diriger parfaitement le missile au cœur du brasier. Pas besoin donc d'être un pro de Counter-Strike pour manier cet engin, c'est parfaitement automatique. Alors là, c'est dans le bricolage, il y a un truc bien relou, c'est tellement l'enduit. Cette saloperie de pâte à étaler partout pour reboucher trous, lisser un mur, rendre une pièce agréable à vivre, tout compte fait. Eh bien, si vous avez déjà testé ça, vous le savez comme moi que c'est infernal. Bref, il y a une nouvelle machine qui est sortie et qui va tout faire à votre place. Ce qu'il faut effectuer avec n'est pas compliqué. On la place devant un mur, on branche tout le bordel ensemble, on remplit le réservoir de mortier, d'enduit ou autre, et on laisse faire la bête. Comme vous le voyez, elle va même s'occuper de tout aplanir sans effort. Vous aurez juste à aller siroter une bonne bière en admirant le travail. C'est ça la belle vie. Bonjour à tous et bienvenue sur Edison dans cette vidéo destinée au troisième âge une fois de plus. En effet, après la vidéo sur la cuillère anti-tremblement Spoon que je vous avais présentée il y a quelques mois, si vous êtes des abonnés assidus, vous auriez dû la voir. Je vais tester aujourd'hui un simulateur de vieillesse. Rémi, rapporte-moi le carton et on est parti. Tiens, fais-toi plaisir. Trêve de plaisanterie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors entre nous les amis, est-ce que vous connaissez une plus grosse addiction que ces deux saloperies réunies ici aujourd'hui?
Personnellement, surtout avec l'été qui arrive, je peux vous dire que notamment pour moi, il m'est très dur de ne pas en boire tous les deux heures. Et justement, aujourd'hui, j'ai eu envie qu'on fasse une petite expérience pour changer un peu ce qui se passe sur YouTube, de faire cuire ces deux boissons gazeuses qui paraissent si inoffensives et si jolies à l'œil nu. Mais il se peut qu'après cette expérience, vous changiez vos habitudes gustatives, vos habitudes alimentaires, vos habitudes d'achat notamment. Putain, elle est ultra chiante cette plaque! Ok, elle est totalement HS. Malgré le fait qu'elle soit neuve, retour à l'envoyeur! On va en bas. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Aujourd'hui, vous le voyez, ambiance survoltée dans le studio. Je suis bourré d'énergie, c'est la folie. J'ai l'impression d'avoir dans mon dos 2 piles 24 000 volts pour décoller telle une fusée. Vous voyez, notre énergie est maintenant homogène. Nous sommes dans un calme tempéré dans le studio pour introduire cette superbe vidéo d'expérience avec des piles. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qui se cache partout dans la maison. Dans les télécommandes, dans nos jouets à caractère plutôt intime. On va parler batterie, on va parler accumulateur dans cette vidéo complètement extrême. Et bien évidemment, juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me témoigner de votre soutien. Et s'il te plaît, mon pont maxime à distance, fais-nous un amas de likes électrisés pour commencer cette vidéo. C'est parti! Regardez, ça va être très court et très intense. J'ai une pile toute neuve. J'ai la mine de critérium ici même dans mes doigts. Je vais la déposer à la surface. Préparez-vous, ça va être très rapide. La mine est déposée et pour éviter justement que mon corps entier absorbe l'énergie de l'allumette via la pile, j'ai pris un isolant pour éviter que tout mon corps absorbe l'énergie de la pile. Attention, 3, 2, 1... Ça fume déjà. Je sais pas si on le voit. Ah, c'est incroyable, mec. Je dis mec parce que je pars à maxime à distance. Il serait fou d'avoir vu ça. Ça, c'est beau. On a un petit barbecue. Je regarde les autres caméras. C'est ouf. La mine est calcinée. On se croit en plein désert de Gobi. Oh là, je peux vous dire que les électrons, ils se baladent dans tous les sens, là. Il y a de plus en plus de fumée dans le studio. C'est un truc de malade. La pile est tellement chaude. C'est un truc de malade. Je sais pas ce qui peut se passer, hein, que ça peut m'exploser au visage. Je vais continuer à attendre. Allez ma petite, allez ma belle, fais-nous rêver. Regardez au bout de 30 secondes l'état de l'allumette. Elle est déjà noire calcinée. Je pense encore 30 secondes et on enflamme. Les amis, sortez vos ombrelles aujourd'hui parce que la température va monter, c'est moi qui vous le dis. Bonjour. J'ai hâte de savoir quelle partie de mon corps va-t-il rester après cette expérience et de voir justement l'impact que ça va avoir sur les fusées pétards. C'est parti. Allez mon bison. Ça pète. C'est beau quand même! Mettre un couteau brûlant sur des objets insolites, vous l'avez vu, même le couteau brûlant a dévergondé le bison 5, le bison 6, et non plus finir, et ça c'est magique! T'es vraiment un abruti, hein. Évidemment que la lame chaude ça va allumer la mèche. L'objectif c'est de le couper en deux. Mais pourquoi? Bah parce que. Là on a fait péter le truc, c'était le but. Ouais, mais là c'est, si t'arrives avec un briquet, c'est vraiment la même chose quoi. Ça a aucun intérêt. Si ça c'est pas une intro improbable pour présenter une vidéo sur des gadgets improbables, alors je ne sais plus quoi faire. Et justement les amis, dans cette vidéo, je tenais à vous faire gagner mon gyroscope de super précision les amis. Vous avez été énormément à me le demander dans les commentaires lorsque je l'ai présenté et je vous le fais gagner sur Instagram. Un petit présent qui arrive en cette fin de mois de mai, en ce milieu de mois de mai que dirais-je. Et ça me fait un grand plaisir de vous l'offrir, tout se passe en description.
C'est parti. Bonjour. C'est parti. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Aujourd'hui, nouvelle vidéo fantasmagorique. Oui, je n'ai pas peur du mot. 400 000 vues en 3 jours. Vous m'avez donné 400 000 vues en 3 jours, quasiment le demi-million. Brrr, les stats se sont envolés tels des coléoptères dans une fourmilière, les amis. Et c'est ça qu'on aime. Je vous remercierai jamais assez de votre soutien indescriptible qu'il y a depuis maintenant presque 2 ans. Et bien évidemment, juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me témoigner de votre soutien. Et s'il te plaît, mon bon Maxime, fais-nous que ces likes en équilibre sur le gyroscope de précision continuent leur tournicotis vertigineux. C'est parti. What the fuck? Vous l'avez vu les amis, nous avons rencontré un nuage d'insectes dans cette forêt et malheureusement elle a eu raison de notre belle moto. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Aujourd'hui vidéo complètement atypique, vidéo moustiquaire de la chaîne, une vidéo où nous allons ingérer, où nous allons déguster, voire délecter des espèces complètement insolites, des espèces abracadabrantesques. Et sur cette vidéo les amis, je ne serai pas seul, il me faut un compère pour la dégustation justement. Et comme Maxime est derrière la caméra, je me ferai accompagner du gentil, du beau Nicolas. Comment il va le champion? C'est bien, et toi? Est-ce que t'es prêt à ingérer des bestioles qui ne sont pas classées au patrimoine de l'UNESCO? Je suis carrément partant, écoute. Les amis, sans plus tarder, c'est parti. Bien évidemment, juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me témoigner de votre soutien. Et s'il te plaît, mon bon Maxime, fais que ce pot d'échappement, plutôt brûlant soit-il, nous déverse une traînée de likes. C'est parti. Viens voir tonton Edison. Allez,